Mesdames et messieurs les parlementaires, maires et élus, mesdames et messieurs, chers amis, bonne année 2015. Je vous souhaite une année pleine de réussite, de bonheur et de santé. Mes meilleurs voeux aux chers habitants de Val d'Oise, surtout aux Auvergnats et à tous les Français. À mes compatriotes en Iran et aux résistants de Camp Liberty, je souhaite la victoire de la liberté et de la démocratie sur le fascisme religieux. J'espère que 2015 sera l'année de la paix et de la tolérance pour les peuples du monde. Je regrette profondément que, dans ce début d'année, Paris ait été la cible d'attaques cruelles et sanglantes contre Charlie Hebdo et d'autres personnes innocentes. 17 personnes. J'espère qu'avec la solidarité et le rassemblement de toutes les forces démocrates, 2015 devienne l'année de la défaite du terrorisme, de l'intégrisme et de l'extrémisme sous le couvert de l'islam en France, au Moyen-Orient et partout dans le monde. La résistance iranienne, qui a perdu 120 000 membres dans la lutte contre le fascisme religieux, partage la douleur des familles des victimes. Ces crimes odieux prennent un caractère particulier car ils tuent sauvagement des journalistes et en plus sous le couvert de l'islam. C'est pourquoi, tout de suite, au nom du peuple iranien et de sa résistance, j'ai les condamné avec les mots les plus fermes et j'ai annoncé en tant que femme musulmane que les enseignements de l'islam et de son prophète sont étrangers à ces sauvageries et les rejettent.